Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Saviez-Vous. Ce mois-ci, c'est les 11 ans de GTA 4 et pour fêter ce petit anniversaire, nous allons faire une petite anecdote sur ce jeu et rendre un second hommage à Karl Lagerfeld, décédé le mois dernier des suites d'une maladie. Car Karl Lagerfeld était présent dans GTA 4 et il a même contribué au développement du jeu. Le saviez-vous ? Nous sommes le 29 avril 2008, après des mois d'attente, GTA 4 débarque sur PS3 et 360 et les joueurs du monde entier peuvent ainsi partir à la conquête du rêve américain aux côtés de Niko Bellic dans la ville de Liberty City. Liberty City est une gigantesque ville américaine débordant d'opportunités pour percer, se faire un nom mais aussi pour se divertir. Si vous faites un petit tour du côté des nombreuses radios de la ville, vous allez pouvoir tomber sur K109 The Studio. Eh bien sachez que c'est Karl qui est l'animateur et le DJ de cette radio. Et voici d'ailleurs un petit extrait. You made it. It's afternoon. Now, die somewhere, please. Good afternoon. I hope you women out there know that wearing sneakers with a dress looks just awful. Burning love breakdown. You ever had one, Andy? The way you look, I don't think it's your subject. Huh? Good evening. Time to take off the ruddy shit you're wearing. Stick your hand down your pants and watch some stupid garbage on TV. Pour l'occasion, Karl Lagerfeld a en partie composé la bande-son de cette radio en y proposant une sélection de ses morceaux favoris. Un choix étonnant de la part de Rockstar Games qui avait fait beaucoup de bruit en 2008, juste avant la sortie de GTA 4, puisque personne ne s'y attendait. Mais la collaboration entre Rockstar et Karl ne s'arrête pas là. Car Liberty City, c'est aussi une ville fashion. Et le grand couturier a également collaboré avec la firme étoilée pour dessiner les costumes de la boutique Perseus. Ainsi, dans GTA 4, lorsque vous vous habillez avec les costumes de la boutique de luxe de Liberty City, il faut savoir que c'était Karl Lagerfeld qui vous habillait. Et comme on dit, jamais 203, nous allons conclure cet épisode de Le Saviez-Vous avec une troisième anecdote. Karl Lagerfeld connaissait bien GTA et il était même fan du jeu de Rockstar Games. Interrogé par le site Women's Wear Daily, le couturier avait déclaré en 2008, je cite, « Ce sont les jeux de notre époque. Ces jeux ont, d'une certaine façon, changé le monde. Ils avaient écrit des dialogues politiquement incorrects. J'ai adoré, surtout à une époque où tous cherchent à rester politiquement corrects quand ils s'expriment. Je préfère être dans un jeu qui jouait. J'aimerais être un personnage particulièrement dérangeant et politiquement incorrect. » Voilà pour ces anecdotes autour de Karl Lagerfeld dans GTA 4. Si par nostalgie vous souhaitez relancer le jeu pour son 11e anniversaire à la fin du mois, vous saurez que notre cher Karl anime une radio, qu'il vous fringue chez Perseus et qu'il aimait l'âme de GTA. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Le Saviez-Vous. N'hésitez pas à lâcher un bon petit like et si vous aimez cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit commentaire bien sympa et de partager la vidéo. On se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et sur le Discord de Rockstar Mag. Salut à tous !